de traîtres, vous allez périr au nom de ma sainte lame qui sert l'empire crève charogne sainte lame <laughs> je vais utiliser un point de réserve magique pour enchanter mon arme puis ensuite je vais enchaîner avec une frappe magique et euh, donc je vais attaquer en lançant le sort contact corrosif et je oui je m'avance bien sûr face au euh, lancier et je, je l'attaque lui donc, euh, à ce moment là Jiwei, un et et s'enduit la main de cette substance verte acide qui, qui percute directement le, le lancier au niveau du torse et qui lui inflige 11. Donc le, le lancier voit son armure qui a légèrement fondu avec un trou au niveau, de, au, niveau de, au niveau de son thorax, de peau, de peau bouffée par ce, ce contact acide. Direct, je passe, je passe en rage de suite, je réfléchis même pas. Donc j'attaque directement... Euh le capitaine avec mon épée à deux mains de maître. Tu commences à, à vouloir frapper euh, avec l'aide de ta lame le, le chevalier euh, qui dirige ce euh, groupe de, de gardes, mais euh, grâce à son épaisse armure, cela fait moins de dégâts que, que prévu. Est-ce que cet épéiste euh, est pris au dépourvu euh, Bah oui, vu que tu attaques avant lui et que c'est le premier tour, donc euh, oui. Donc je vais lui asséner un déluge de coups avec euh, mon épée. Enfin, moi, avec mon arme. il n'y a pas d'autre qui se met à sortir son, son grand nunchaku et à le faire tournoyer et mettre deux grands coups dans la, dans la tête de l'épéiste l'épéiste a une armure solide mais il est quand même déboussolé, hein. il subit les deux coups droit dans la, droit dans la tête il s'effondre il s'effondre sur le coup euh, avant même d'avoir pu attaquer je vais me mettre euh, ici ouais et je vais euh, donner un coup de griffe du coup euh, au lancier comment ça? Tenter de mettre un coup de griffe au lancier qui fait mouche, vu qu'il est déjà cerné par Pado, Pado et Jiwei, et maintenant par toi, et ne sait plus trop où donner de la tête. Alors le dégât fait mouche, et, tu... et il est quand même assez mal en point. Autour de... de ce même lancier qui va, il va tenter d'attaquer ce mec qui a... qui a percé son armure, donc il a droit une... Les deux qui sont autour de lui ont droit à une attaque d'opportunité. Euh, ben, donc du coup, juste avant, moi je, je me lance. Euh... Mon action rapide de, de bouclier magique du Magus. Huey anticipe le fait que le, fait que le lancier s'apprête à lui, à lui mettre un coup de lance directement en direction de, de son visage, il se met à faire une incantation rapide qui se met à le, à le cerner d'un bouclier rose et, et translucide autour, tout autour de lui. Et au même moment, il y a Pado qui, qui observe... Observe le, le lancier euh, distrait par, euh, par son assaut en direction de Jiwei et lui assène un coup de, ce, de, sa, terrible arme, euh, de sa terrible arme orientale qui, qui le frappe et ce euh, dernier s'effondre euh, au sol euh, instantanément. Lui dit on passe à l'autre péiste qui attaque euh, directement Aaron pour venger et déjà ses deux acolytes euh, tombés au combat et tente d'asséner un grand coup de taille de sa, de sa grande lame euh, directement sur. Euh, sur Aaron qui parvient à esquiver le coup au dernier moment et, et au final il ne parviendra à t'arracher qu'une toute petite mèche de cheveux euh, et c'est tout. Donc l'autre lancier lui en profite pour... Euh... Pour se diriger ici et tenter de te faire une attaque en puissance. Il a, il a trop dosé sa force au détriment de la précision et, et ce, coup, euh, ce coup se, se disperse dans le, dans le vide sans avoir pu faire de victime. On passe au capitaine de garde qui se retourne furieux en direction de Ragnar, qui pointe son épée longue en sa direction. Il dit Maintenant, traître, c'est à ton tour de payer. Au nom de l'Empire, je vais te pourfendre, déstabilisé, euh, déstabilisé par cette fée. Euh, attaquer dans le dos le, le coup le coup part dans le vide à son tour la carte tout simplement aller là et voir euh, sa position de soin mmh. et tout d'un coup certaines de tes de tes places se, se pensent et tu te sens euh, déjà bien mieux peine rire va essayer d'agir observe il a il a peur du garde et s'enfuit en couinant euh, comme ça et, et file euh, et file de l'autre côté de la pièce sans, sans demander son reste je vais euh, attaquer et lancer un sort de projectile magique. Mais il avez savoir mmh. que le euh, projectile magique n'est pas une attaque de contact. Il faut que j'utilise mon combat magique. Et je lance les trois projectiles sur, euh, sur le garde. Ton coup de, de cimetière tente de frapper le, frappe, le, le capitaine de la garde qui, qui lors de son affrontement avec, euh, avec Ragnar, a senti que tu t'approchais de derrière lui. Donc il, il sort son bouclier, le place dans son dos. Et intercepte ton coup de cimeterre. C'est pas fini. Et, euh, et tout d'un coup, il y, y a sept projectiles euh, irisés qui, qui convergent en direction de, du capitaine. Mais les projectiles ne sont pas assez puissants pour perforer son armure et ne lui font qu'un que quelques plaies superficielles par la, par la chaleur dégagée euh, par l'implosion pro, du projectile. Je réessaie de le frapper avec euh, mon épée à deux mains. Ah, tu te mets à tenter d'asséner un un bon coup de taille bon directement sur euh, le cou du, du chevalier qui comptait euh, préparer son bouclier, mais comme il était déjà occupé à le coup de cimetière de Jiwei, euh, il ne parvient pas à l'échapper, il était trop déstabilisé. Et, et tu mets un bon coup de taille qui lui fait une belle, une belle entaille euh, au niveau de la clavicule et, et lui vire son casque. Et euh, révèle un individu assez moche, euh, avec les cheveux gras euh, et noirs. Et alors, vieux dégueulasse, qui sait qui se fait pour fendre et euh, cette, cette plaie lui fait, euh, lui fait assez mal quand même. Je vais me déplacer euh, ici. Donc je fais un déluge du coup en tenaille. Donc, déluge du coup, c'est une action complexe. Bon, bah je l'attaque juste. Pris au dépourvu, euh, directement concentré sur, euh, sur Aaron, le lancier ne voit pas arriver pas d'autre qui se fait plaisir en mettant un bon coup, encore une fois, de, sa, de son espèce d'arme étrange. Directement dans le dos du, du lancier qui, qui fait plier son, son armure et, euh, et lui fait subir des dégâts, des dégâts assez, assez conséquents pour, pour tout dire. bah Je vais attaquer euh, le, le lancier. Hein. Tu profites du fait que, que Pado a déstabilisé son, son, son ennemi pour, pour attaquer le même avec l'aide de tes, de tes griffes, sachant que t'as pas bougé donc. Euh... Alors tu, tu pouvais juste faire une attaque de griffes, mais là, tu avais droit à une action, euh, une action complexe pour, euh, pour taper avec tes deux griffes et tenter de faire deux attaques sournoises. Donc, théoriquement, tu as droit à une deuxième. La première est interceptée par la lance dans un, dans un dernier élan de, de volonté par le, par le lancer qui bloque ta griffe, mais en revanche, la deuxième, il se la bouffe de, de plein fouet, subit des dégâts superficiels parce que les, les, griffes, les griffes ont du mal à, à percer l'armure, mais euh, ça le blesse quand même, ça hein, lui fait une, quelques belles entailles au au bras et commence à, commence à faire la gueule. Au même moment, euh, l'épéiste qui, qui se trouvait en, en face de, de toi décide de faire, euh, décide de faire une, une attaque en finesse et va tenter, de, va tenter de faire quelques coups multiples pour tenter de, de blesser Aaron. Il tente de faire un habile coup, mais euh, il semblerait qu'Aaron soit plus habile que lui et le, et le coup part dans le vide. Le lancier, il va tenter de faire une, une attaque en puissance sur, euh, sur Paddock donc du coup le... je fais une attaque d'opportunité oui. tu as mal calculé la distance de ton, de ton coup et, et ton coup de griffe part dans le vide donc le lancier fait une attaque en puissance en direction de, de Pado fatigué par le combat euh, vraiment pas du tout à leur avantage le lancier s'épuise et sa lance ne, ne parvient pas à se frapper face au capitaine de, de garde qui est vraiment déterminé euh, insiste sur le fait de, de, frapper, euh, de frapper Ragnar euh, protégé partiellement par son, par son dernier euh, son, son seul allié euh, vivant épéiste, mais en revanche son, son dos n'est pas couvert par euh, contre les attaques de Jiwei. Mais euh, Jiwei ne semble, ne semble pas assez habile pour, pour parvenir à, à toucher ce, ce chevalier euh, entraîné, euh, entraîné contre les attaques. Et tant que tout pour le tout, le, le capitaine visiblement irrité euh, tente de tasser un, un coup de lame, qui te fait quasiment... Euh, aucun dommage, juste une minuscule égratignure sur le bras. Mais au même moment, il y a, y a la lame qui s'enflamme, qui s'imprègne d'une énergie de, de flamme, qui emmène, au moment où ça te fait l'égratignure, ça te la, la cautérise aussitôt par, par une traînée flamboyante. Alors là, j'avance ici, sur le cadavre, je marche dessus, je m'en fous. Ah là, et là je lâche un crève pourriture d'humain. En es-tu sûr et là, il sort son bouclier et ton, et ton coup de hache, aussi puissant soit-il, rebondit sur son bouclier. Il y, a, il y a Fenrir qui commence à reprendre courage d'avancer en direction du, du lancier euh, et tenter de le, de le mordre il essaie de lui attraper la jambe mais il se, il se prend un petit coup de pied dans la gueule de la part du, du lance déjà assez emmerdé comme ça et il va pas se laisser emmerder par un loup en plus euh, je vais réimprégner mon arme dans mon enchantement et je vais euh, attaquer avec euh, ma frappe magique et euh, l'aspersion d'acide la lame de l'acide la terre n'est pas assez puissante pour transpercer cette épaisse armure que porte le, le garde, mais en revanche, l'acide que tu balances grâce à ta main s'infiltre dans les, dans, les, dans les rainures de l'armure et, et le garde commence à crier Qu'est-ce que c'est que cette merde là Ça pique Ah, t'es pas le et... seul à faire de la magie, mon coucou, sauf que moi c'est naturel. Je vais te remettre un coup d'épée dans ta tronche, connard Cette lame est puissante, certes, mais elle vaincra pas l'Empire et il parvient à la bloquer avec son, son bouclier. Jassène, un, un déluge de coups euh, au lancier. Pado tente de, 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 frapper, de frapper de manière effrénée le, le garde lancier, mais euh, visiblement il avait trop la confiance sur ce coup-là et, et la fierté au détriment de la précision. Les, les deux coups échouent lamentablement. Bon bah ok, deux coups de brief à dépérir, c'est bête. Un seul des deux coups, gr... coups de griffe parvient à, parvient à faire mouche. Euh, C'est au tour de ce même épéiste euh, qui te dit euh, quoi Qu'est-ce qui t'arrive toi T'essaies de me frapper Attends, tu vas voir. L'épéiste met un grand coup de taille, vraiment très bien placé, des familles là, qui... qui te fait bien mal, une belle entaille au niveau de l'épaule. Le lancier, lui, visiblement très embêté, euh, va te dire chef, chef, je suis encerclé. Eh ben, dégage-toi de là. Il bat en retraite, donc il échappe à l'attaque d'opportunité de Pado, mais subit celle de, celle de Aaron et éventuellement celle de Fenrir. Fenrir se met à agripper la cuisse du, du lancier qui tentait de fuir et de ce fait ce, ce dernier tombe par terre. Enfin le, le capitaine regarde son lancier et lui dit t'es vraiment qu'une pauvre merde. Toi. Et là il sort son épée et tente de frapper euh, Card, donc il a droit aux attaques d'opportunité de Ragnar et de Jiwei. Euh, il se prend un grand coup de lame de la part de Jiwei de de, de qui était vraiment très bien placé, vraiment on ne pouvait pas faire mieux. Tu triples les dégâts, sauf que le problème c'est que tu as fait tellement mal au... Euh au capitaine qu'en plantant ta, ta lame dans son, dans son bide il s'est recroquevillé et du coup tu, tu l'as été es, es contraint à lâcher ta cimeterre. Très énervé le, le capitaine de la garde va, va frapper Card comme, comme convenu mais euh, ça lui a fait tellement mal que du coup euh, déstabilisé il, il, fait la, il fait de la grosse merde et son coup euh, échoue euh, et vient s'échouer sur, sur l'armure de Card sans avoir, même, sans avoir pu la traverser Grosse merde! Et là, je l'attaque. Tu as, tu as tenté de le, de le frapper avec l'aide de ta hache. Tu n'as pas réussi. Maintenant, il, il a vu que vous. Que de ce dont vous étiez capable. Et maintenant, commence à, à montrer ses véritables talents de, de chevalier. Je réitère mon action. Juge de, coups. de, okay. de faire du coup Ok. un de Alors, le, le premier coup euh, échoue. Euh, le garde parvient à. A bougé la tête au dernier moment, mais en revanche le deuxième frappe et fait mouche. Et là t'as pas fait semblant. Tu, tu doubles les dégâts et segment de 1 des 4 points de dégâts. Tu lui as pété vraiment le, le crâne. Tu lui as fait une fracture du crâne ouverte. Et euh, tu vois, il, il a subi l'attaque de plein fouet. Il a, il a commencé à, à tenter de se relever, mais là tout d'un coup tu t'as une mare de sang qui, euh, qui coule et il s'effondre. Le, le corps sans vie. Vous êtes vraiment tous des lâches à tous m'abandonner comme ça. Il t'abandonne pas, il crève, comme toi, bientôt euh, Du coup, moi, je vais me mettre euh, ici, et je dégaine ma dague euh, enchantée, du coup. L'épée, lui, t'a vu agir, et commence à s'amener, et vouloir te, te taper avec l'aide d'un grand coup, de, d grand coup de, sa, de sa lame, avec une attaque en finesse. Il se met à te mettre un, un coup, il était frustré d'avoir raté son coup précédent, et... Et là, se rattrape en te, en te mettant un autre coup à son tour. Le capitaine, lui, commence à, commence à vraiment péter un plomb. Et là, il décide de tout donner de manière à faire une attaque en puissance à Card qu'il avait lamentablement raté tout à l'heure. Donc, les attaques d'opportunité, tu as vraiment mal calculé ton coup et, et ta lame a frappé directement sur les, les sur les parties vraiment les plus résistantes de l'armure, vraiment sur les épaulières. Et. Euh, et ton arme s'est un peu témoussée, alors ça... ton épée subit un des six points de dégâts qui ignore sa solidité. Mais elle est encore en état de, elle est encore en état de, de servir. T'inquiète pas pour ça. Ah, ce qui se passe, c'est euh, que j euh, tente de mettre un, un beau coup de poing euh, en direction de la, directement de la tête hein, de... du capitaine de la garde, vu que sa tête, elle est dépourvue de, de casque. C'est pas si s'il y a une influence magique, mais au, au moment où tu... où tu parviens à au niveau de sa tête, il y a le point qui percute directement à la joue et nombre de choc euh, qui hérisse les, les cheveux à tout le monde, y compris les poils de feu et les poils de fenrir, euh, se met à retentir. Il un est bon un peu dit. sonné, il aura moins à son prochain jet d'attaque. Donc le, le capitaine, déstabilisé, par, euh, déstabilisé par, euh, par le coup de poing dans la gueule qui, qui s'est violemment pris par Jiwei, parvient malgré tout à t'entailler une des parties qui n'était pas couverte par ton armure. Et euh, mais bon, est, il était étourdi, donc il a, il a mal visé, il n'a pas fait une belle entaille, mais encore une fois, le, le fait que sa, sa lame se mette à flamboyer, ça te, ça, te fait, ça te fait une belle brûlure au second degré qui mettra plusieurs jours à, à s'enlever. Je vais retenter d'extirper mon épée, ma cimeterre. Le capitaine, vraiment très énervé, va tenter de placer encore une fois un coup de, coup de sa lame enflammée sur Jiwa qui commence à le faire chier à vouloir récupérer cette lame. Là, ils se mettent à te mettre une, une violente entaille euh, dans l'épaule, qui est très bien placée, mais, euh, mais par contre, euh, l'enchantement de feu cette fois-ci n'a pas très bien marché. On ne sait pas trop pourquoi. Ragnar, le, le capitaine de la garde, t'a vu arriver avec ta grosse épée. Il a tenté de placer son épée à lui, son euh, épée à lui, euh, pour s'interposer, mais euh, il l'a fait trop tard et se prend en attaque de plein fouet. Son épée tombe par terre juste à ses pieds. Le coup d'épée était tellement puissant et tu l'as fait une belle entaille au niveau de la jugulaire. Et, et du coup, il s'effondre par terre comme une vieille merde. Je fais un pas de placement. Je glacine un déluge du coup comme ça. Tu, tu étais trop sûr de toi, encore une fois. Et euh, les, les deux <laughs> coups partent dans le vide. Et tu laisses une belle occasion. Euh, je, vais à une, je vais faire une deuxième. Je vais faire une attaque avec mes deux griffes sur le garde. Du... Très déterminé, profitant du fait que, que son adversaire a été distrait par. Euh, Distrait par Pado, se met à se met à mettre de violents de violents coups de griffes pour blesser son, son adversaire. D'ailleurs, ce même épéiste, ce même visiblement très agacé, va tenter de mettre une attaque en puissance dans la, dans la gueule, de, dans la gueule de, de Pado. Il te met un beau coup de taille qui, qui te fait une belle entaille au niveau du, du bassin. Est-ce que je peux charger de là en passant oui. par-dessus Ok, oui, je parce charge. Parce qu'il est taille-m. Tout coup, il y a Carte qui, qui se met de manière effrénée à courir de manière à rentrer dans le tas directement sur Les paysistes n'a même pas le temps de venir t'arriver voir que tu es déjà, que tu es déjà rentré dedans. Tu as foutu un, un coup de hache <laughs> qui enfonce son armure et euh, il se met à gueuler, euh, à hurler de douleur et s'effondre par terre. On leur a laté la gueule <laughs> Bon, j'espère que ça n'a pas attiré l'attention. Alors, il y euh, moi, je cherché chercher s'il y a les, les clés de, de la cellule de, du Mongol qui nous regardait euh, sur le, le capitaine. Alors, lui, il vous regarde, il a regardé tout le combat comme d'habitude, sans, sans rien agir, toujours avec son sourire malsain. Là. Par contre, la meuf est là, elle vous regarde de manière totalement tétanisée. Je vous rappelle que l'épée et la meuf sont à moi. Pas de problème, je prends juste le bouclier. Ah. Et, et le mec, on est, on est obligé de le laisser sortir. Non, mais attends, je cherche déjà la clé. Euh... Donc, tu euh, dis commence à observer, la... La... à observer le cadavre Bitten et effectivement, trouve un, trouve un trousseau de clés assez fourni. Ok, donc je, je le prends. Et euh, pendant que les autres euh, font leur part du butin, je vais ouvrir euh, la cellule de. Oui, ton cimetière peut-être. Ah, oui, en effet. <laughs> bah. Je prends mon cimetière, du coup, je l'extirpe gentiment. T'as une giclée de sang qui t'asperge le pantalon. Et t'as un peu de merde, hein, parce que y a, y a, ça a tapé dans les tripes, là, ça l'a ça un peu éventré, le mec est un... J'essuie mon cimetière sur, le, sur, sur le, le, les habits du, euh, du garde, du capitaine de la garde. Une armure en métal mais il <laughs> n'a pas ah un oui, petit bout de tissu quelque part ou quoi non, et blindé de métal donc. Ouais, bah, à la limite tu passes ta cimeterre ça nettoie un peu superficiellement mais il te reste un peu de merde sur ta, okay, bah... ta cimeterre bah, tu peux le nettoyer sur l'héli je récupère l'épée ok donc je... là, tu, tu, tu as observé que c'était une épée qui a des dégâts de flamme et une épée de maître qui plus est à en voir la, la finesse la grande finesse de l'affûtage euh, moi je vais ramasser son bouclier par contre je prends son bouclier qui, qui, est un, qui est un beaucoup beau bouclier bien renforcé. Euh, C'est une, une rondache en acier. C est, c est un, ça ne te provoque pas, pas, beaucoup, euh, pas beaucoup de protection en plus que ta, que ta targe que tu, que tu possèdes à l'origine. Mais euh, donc, euh, Au moins, elle n'est elle plus sensible aux attaques enflammées. Je fouille euh, les cadavres autour. Le lancier, lui, son, son armure est enfoncée de partout, donc euh, elle ne te servira pas à grand-chose. T'as une, une belle lance, euh, une belle lance qui, qui peut encore tout à fait servir, hein, mais une petite bourse qui, qui contient, qui contient euh, 40 pièces d'or, quand même. Euh, je vais plutôt aller voir un peu dehors pour voir s'il n'y a pas, si, euh, y a pas de, des personnes qui sont en train de... Euh, de enfin, si, pour voir si la voie est libre, quoi. Le cachot est, est bien isolé, hein, parce que tu, tu vois, tu vois les, des hommes dont le, dont le général Van Alixvart, qui sont là dans, dans la salle principale du du château, mais euh, apparemment ils n'ont rien remarqué de suspect. Ok, bon, bah je, je, reviens, je reviens ici, je reviens dans le cachetot, et je dis, bon, normalement, là, il est libre, se doute de rien. Alors, Jiwe euh, est, est près du mec bizarre, là, qui vous regarde depuis tout à l'heure. Yo, tu peux t'exprimer ou pas il Continue toujours à te regarder euh, avec son vieux sourire sans te répondre, immobile. Ça te dirait de m'obéir Vas-y, vas-y, on va rigoler, si. faire un test de dressage. T'as fait ton test de dressage, éloigne-toi pour voir. Ah, ah C'est magnifique <rire> <rire> oh, putain... Bref, les autres euh, Moi je faut que je parle avec euh, la meuf. Euh, Et... Tiens, euh, Ragnar le trousseau de Bah moi je voulais traîner tous les cadavres dans la cellule du mec bizarre en fait. Attends, oui, je vais l'appeler en fait. Mehdi. Mehdi Viens Il se ramène comme ça. Viens... Les deux gardes qui sont devant moi je vais les tirer euh, dans la tôle. Dans la prison. Alors pendant ce temps-là, il y, y a Ragnar qui s'approche de la, de la jeune fille. Mademoiselle. Test de perception, s'il te plaît. Tout ce que tu remarques, c'est qu'elle est morte. Euh, bah du coup, euh, si elle est morte, je vais en profiter. Fenrir, repas. Test de perception de la part de Fenrir, s'il te plaît. Et là, il y a, y a Fenrir qui fait... Comme ça, là. Du coup, je me, re, je me ravance. Et je regarde je regarde ce qu'il a bien pu voir. Au moment où tu commences à t'approcher, t'as des espèces de volutes noires qui émergent dans dessous le lit. Tu, tu, tu l'as remarqué, du coup tu, tu fais un beau bond en arrière. T'as un truc qui sort de dessous le lit et qui dit Sacrifice a été accompli, cavalier de la mort est désormais satisfait. deux trucs émergés dans dessous le lit Combat